livre tout proche, c'est un événement qui nous est venu à l'idée en 2014, l'idée de rassembler des auteurs du Brabant Wallon. Le Brabant Wallon est une terre assez propice à l'écriture, propice à toutes les disciplines artistiques finalement. On sait que c'est une terre qui inspire probablement, peut-être aussi la proximité avec Bruxelles et la qualité de vie qu'on y découvre. On a voulu rassembler les auteurs, mais pas dans un concept commercial, plutôt dans un concept intimiste, où on permet aux lecteurs, au public de manière générale, d'accéder au monde de la lecture, au monde de l'écriture, aux différents auteurs, aux différents univers qui peuvent y être rencontrés ici. C'est donc la troisième édition de cet événement aujourd'hui en 2016 et on compte progressivement vraiment inscrire cet événement dans le paysage littéraire francophone pour les années à venir. Laure adorait écrire, elle se destinait à des études romanes et elle voulait devenir éditrice. Parce qu'elle était parfaitement consciente qu'elle n'allait pas gagner sa vie en écrivant. Parce qu'elle avait déjà écrit un roman et trois nouvelles. La première publication de la Fondation, ça a été son roman à elle. C'est comme ça que nous avons lancé le projet de la Fondation. Et puis on s'est dit, avec notre petit patrimoine et avec l'aide donateurs, comme le Brabant Wallon, nous allons aider d'autres jeunes auteurs qui écrivent. Et le prix, ça sera d'être édité. Donc la Fondation couvre, en collaboration avec notre éditeur Memory, Jean Enrotin, tous les frais pour que le jeune qui a été primé puisse être publié. Mon père m'a montré un article dans Le Soir qui parlait de la Fondation et je me suis dit pourquoi pas. Ça passe ou ça casse et je l'ai envoyé. Et c'est passé. J'ai maintenant le plaisir d'appeler Odile pour lui remettre son prix. Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier d'être présent pour ce moment qui est extrêmement important pour moi. Et je voudrais remercier certaines personnes, mes amis, ma famille, Claude et Isabelle Nobels pour leur travail incroyable. Et les éditions Memory, c'est pour moi un jour extraordinaire. Je suis vraiment très heureuse de recevoir ce prix et de voir mon nom sur une couverture. C'est un rêve d'enfance qui se réalise aujourd'hui. Et j'espère que ce projet continuera pour quelques moments. C'est tout à fait impressionnant. C'est un accomplissement et c'est vrai que c'est vraiment très agréable. C'est très chouette de vous dire « Hey, j'ai fait ça !» Tout d'abord, je tiens à féliciter Odile pour ce prix. Tu vas voir, c'est vraiment une formidable aventure qui vient de commencer. Depuis que j'ai eu ce prix, pas mal de choses ont changé. J'ai passé une année remplie d'opportunités et d'événements en tout genre que j'aurais jamais vraiment cru vivre. De plateaux télé en foire du livre et d'émissions radio en séance dédicace. Mon travail avec les correcteurs a été très intéressant et très enrichissant parce qu'il m'a permis de voir où il y avait des erreurs et là où je ne voyais pas. Parce que par exemple, quand on a le nez trop profondément dans son histoire, on ne voit pas forcément ce qui ne va pas ou ce qui va justement. Et donc ça m'a permis de pouvoir le retravailler, de pouvoir lui donner un ton plus mûr parce que j'ai grandi aussi depuis que j'ai commencé à l'écrire. Je ne me suis pas du tout sentie trop critiquée par rapport à ce que j'avais écrit puisque ce sont des critiques qui sont tout à fait constructives. Je me suis inspirée de ce que j'ai ressenti à certains événements dans ma vie, notamment par rapport à la mort de quelqu'un qui était proche pour moi, pour pouvoir traduire de façon réelle ce que mon héroïne ressentait. La plus-value du partenariat avec la Fondation Laure Nobels est énorme pour nous et nous tient très fort à cœur. Je crois surtout que tout ce travail finalement contribue à augmenter le nombre de lecteurs. Le nombre de lecteurs, et finalement c'est bien ça le but, c'est que les gens s'offrent le temps de la lecture. On sait que c'est pas toujours évident aujourd'hui de promouvoir le livre, je pense qu'il est promu pourtant à un très bel avenir. Lire reste fondamental. Lire, c'est apprendre, lire, c'est voyager, lire, c'est se documenter, c'est vivre énormément d'émotions, ce que ne permettent pas d'autres loisirs qui prennent parfois beaucoup de place dans le monde des jeunes.